On en parlait de cette alerte aux moustiques tigres. Il est 6h42 sur RMC après deux cas identifiés de dengue où ça, non pas aux Antilles, non pas à La Réunion, comme ça arrive souvent depuis des années, mais dans les Hauts-de-Seine. Plusieurs communes très proches de Paris ont dû lancer des opérations de démoustication. Nous sommes en ligne avec Antoine Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert de la lutte anti-moustique chez Biogen Caillard. Est-ce que ce n'est pas étonnant qu'il faille maintenant démoustiquer dans une grande agglomération comme l'agglomération parisienne ? Non, c'est pas étonnant vis-à-vis du moustique tigre qui est très urbain. C'est pas du tout étonnant, non. Sur la ville de Nice, ça fait déjà plusieurs années qu'il est bien présent, donc non. Alors, quand on regarde la carte, hein, on a vu le moustique tigre qui est arrivé par le sud de la France et puis progressivement qui monte, qui occupe maintenant une très grosse moitié de la France, plus la région parisienne, c'est bien ça à peu près ? Oui, c'est ça, à peu près jusqu'à Rhône-Alpes, jusqu'à la région bordelaise et après il y a un petit point sur la région parisienne. Ouais. Alors, en quoi ces moustiques tigres sont-ils dangereux ? Alors bah déjà parce qu'ils peuvent être vecteurs de plusieurs maladies comme la dengue ou le chikungunya et ils sont surtout très nuisibles parce qu'ils ont une activité qui pique le jour, donc du coup ils apportent une nuisance qu'on connaissait pas avant sur le territoire puisqu'on avait que des moustiques nocturnes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger ? Alors déjà, la première chose, c'est être vigilant à l'eau stagnante, faire attention à tout ce qui va être petites coupelles et petits points d'eau, parce que le tigre pond à sec, donc il va mettre des œufs sur des œufs. La communication avec le voisinage, justement, pour les informer de ça et d'être vigilant. Et puis après, il existe des produits comme des pièges ou des choses comme ça pour se protéger de son espace vie. Dans toutes les grandes villes de France désormais, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous nous conseillez d'utiliser comme protection ? Alors pour des petites terrasses, des choses comme ça, il existe des répulsifs aussi qu'on peut utiliser pour des courtes périodes, genre le temps d'un apéritif ou d'un repas en extérieur. Mais la première chose vraiment, c'est d'éviter de le moustique, pas tigre. Il est blanc et noir, enfin il est noir et blanc plutôt, avec des lignes blanches qui sont assez faciles et un peu plus gros. Bon, eh ben on fera attention, on regardera bien la couleur de nos moustiques, s'ils ont des rayures. Attention, ce sont des moustiques tigres. Merci beaucoup Antoine Cohen. Avec plaisir. Expert donc anti-moustique chez Biogen Caillard après ses opérations de démoustication.